Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Nous sommes le mercredi 16 décembre. Je suis désolée de ne pas avoir pu finir le vlog hier soir, mais j'étais en train de monter ma vidéo que je n'ai toujours pas fini de monter, qui est pour aujourd'hui. Donc du coup la vidéo ne sera pas en ligne à midi, mais plutôt à 20h ce soir, puisque là il est 10h du matin. Un chauffeur vient me chercher à 10h35 et je dois finir de faire des plans pour ma vidéo que je m'apprête à filmer maintenant. Donc la journée va être longue puisque je dois rester à l'entraînement de 10h35 à 18h30. Et donc voilà, ça va être quand même une grosse journée. Donc du coup je ferai la fin du montage de ma vidéo quand je rentre ce soir. Donc du coup elle sera en ligne vers 20h. Donc voilà pour ça. Je vous ouvrirai les calendriers de l'avant. Je vais le faire maintenant parce que comme ça je suis sûre de ne pas oublier. Et ensuite je passe à ma vidéo. Donc du coup j'ai pas ouvert le 15, j'ai pas ouvert le 16. Donc le 15, il est là. Et c'est une crème pour le corps, je crois. À la verveine, il me semble. Ouais, c'est celle-là. C'est la crème pour le corps à la verveine. Et le 16, il est ici. Et ici, on a... C'est des petites étiquettes de tas pour mettre les noms à Noël, vous savez. Genre là, on écrit le nom de la personne qui s'assoit à cette table-là, telle table. Ça c'est plutôt mignon, j'aime bien ce genre de choses, je trouve ça toujours super chou. Et donc ensuite on a le calendrier de Durance cette fois-ci. Donc le 15 il y a, qu'est-ce que c'est? Alors le verger en fleurs, ça sent super bon, j'aime beaucoup. Donc ça c'est un bon point, n'est-ce pas? Et le 16, on va essayer de deviner ce que c'est. Ça sent la cannelle ça, oh, cannelle orange. Alors ça sent trop bon, mais en fait du coup j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs fois les mêmes parfums dans le calendrier. Donc du coup je sais pas si c'est normal ou si c'est moi qui ai eu un petit problème, mais j'ai plusieurs fois les mêmes parfums. Bref, je vous laisse, je vais filmer ma vidéo. Bon, finalement, grosse bonne nouvelle, j'ai réussi à faire la voix off de ma vidéo très rapidement. Donc si elle est pas en ligne vers midi, elle le sera plutôt vers 14h, parce qu'il faut encore que je fasse la miniature et je peux pas poster ma vidéo s'il n'y a pas de miniature affiliée. Donc du coup voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il est 10h23, donc je vais peut-être avoir le temps vite fait de boire mon milkshake et de faire une miniature en 30 secondes top chrono, parce qu'ensuite il va falloir que je prépare mes affaires pour partir. C'est un petit peu la course en ce moment. Je suis désolée parce que c'est vrai que pour vous dans les vlogs ça doit pas être super agréable non plus de me voir courir partout, mais bon en même temps c'est ma vie du moment. Donc du coup je vais pas vous dire que j'ai une vie hyper relax et tout, parce que c'est pas le cas. Donc du coup voilà, je vais boire mon milkshake et ensuite je vais peut-être faire la miniature de ma vidéo. Si je la fais pas maintenant, de toute façon je la ferai je pense entre midi et 2 à l'entraînement de danse avec les stars. Donc voilà, je me suis attachée les cheveux aujourd'hui parce qu'ils étaient ils faisaient n'importe quoi, j'avais pas le temps de les lisser, j'avais pas le temps de leur faire un brushing. J'espère que c'est pas trop moche, parce que moi les cheveux attachés c'est pas trop ce que je préfère, mais bon, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Mauvaise nouvelle, je dois partir maintenant, je suis super en retard et donc du coup j'ai pas le temps de faire la miniature de ma vidéo. Donc du coup je vais voir comment je vais me débrouiller pour essayer de poster la vidéo le mieux possible. Je vous tiens au courant. Bon, pause déjeuner, on a fini. Enfin on a fini. On a fini qu'à moitié. On va manger. Donc là, Yannalerie va faire son interview. Et moi, je bois mon thé. Tada! Coucou tout le monde, je viens à peine de rentrer à la maison, il est 19h40. Donc du coup c'est maintenant que je vais faire ma vidéo, parce que il me restait pas mal de choses à faire dessus, des petits détails à faire, et j'avais pas du tout envie de vous sortir une vidéo si elle était pas prête à 100%, parce que quand même, enfin voilà, je préférais vous la sortir un petit peu en retard plutôt que vous la sortir et que j'aimais pas du tout la miniature, ou que j'aimais pas du tout un truc qui allait pas dedans. Donc voilà, ça prend un petit peu plus de temps que prévu, mais au moins ce sera pas non plus la totale catastrophe, on va dire. Donc du coup je vais faire ça maintenant, ensuite je vais aller prendre ma douche et puis monter le vlog que vous êtes en train de regarder, et ensuite je vais me coucher direct, parce que là demain c'est une très grosse journée et en ce moment on n'a pas du tout le temps de se reposer. Donc la moindre petite seconde qu'on peut avoir pour nous, on la prend, et là je crois que j'ai vraiment besoin de sommeil. Donc du coup voilà, je vais pas tarder
trop non plus dans ce vlog, mais là je vais monter ma vidéo, enfin finir de faire tout ce que je dois faire par rapport à la vidéo. Je la poste et puis ensuite je vous retrouve juste après. Coucou tout le monde, donc je sors de la douche comme si ça ne se voyait pas. Et donc du coup là je vais me mettre au lit pour tout simplement travailler, faire mon montage du vlog, préparer la vidéo que je vais filmer demain matin très très tôt parce que je suis très en retard. Je n'ai pas de vidéo pour vendredi et il va falloir que j'en filme une hein, parce que voilà, vous attendez ma vidéo du vendredi donc je vais la préparer et comme ça du coup je pourrai réussir à la filmer tranquille demain matin. Parce que je connais plus exactement mes horaires, mais je crois que demain je vais me chercher à 10h, ce qui fait que j'ai un peu plus de temps. Donc je vais me coucher tôt ce soir, comme ça je me lève tôt demain et je peux faire la vidéo assez tôt, donc voilà. Et donc voilà pour ça. Donc bah écoutez, je vais arrêter le vlog maintenant parce qu'il faut vraiment que je monte cette vidéo, que je m'occupe de l'autre, etc. Enfin j'ai encore plein de choses à faire et que je me couche assez tôt quand même. J'espère quand même que le vlog vous a plu malgré tout, je suis désolée, je sais qu'en ce moment c'est pas la joie pour les vlogmas, mais ça devient vraiment difficile de faire Danser avec les stars et les vidéos. Là on arrive dans la dernière ligne droite et j'ai envie d'aller en finale et peut-être même de gagner, donc voilà, c'était peut-être pas quelque chose que j'étais capable de dire au début de l'émission parce que je crois que je m'en rendais pas compte ou que je m'en moquais un petit peu, et en fait plus j'avance plus je me dis que c'est énorme ce qui m'arrive et que j'ai envie de gagner. Et en fait comme je dis souvent, j'ai pas spécialement envie de gagner que pour moi, mais j'ai surtout envie de gagner pour Yann Alric parce que il le mérite vraiment et mine de rien dans sa carrière ce serait un bond incroyable. Pour nous de gagner Danse avec les stars c'est surtout une victoire personnelle, mais pour les danseurs gagner Danse avec les stars c'est vraiment s'assurer une carrière et je pense que c'est un métier quand même assez difficile et j'ai vraiment envie de lui offrir ça parce que franchement il le mérite, il a fait un boulot incroyable avec moi et donc voilà, j'ai pas envie de le décevoir. Et donc pour conclure tout simplement, c'est pour ça qu'il faut que j'aille me coucher pour essayer d'être en forme demain parce qu'on fait déjà les répétitions plateau demain vu que le prime c'est vendredi. C'est dingue à quel point cette semaine est passée vite. Je suis déjà en train de faire mes bagages pour partir, pour rentrer chez moi à Lyon. J'ai l'impression que c'était hier que j'arrivais à Paris et je m'en vais déjà bientôt. C'est juste dingue. Donc bah écoutez, voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous aime très fort. Merci encore de tout votre soutien. Merci de suivre les vlogs, etc. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis du coup à demain. Bye bye.